c'est Clochette Kelly? Annyeong, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un point lecture et un point lecture avec... Théo! Bonjour les gars! On va commencer sans plus attendre le point lecture et c'est Théo qui va commencer avec les Lapinos au sport d'hiver de Pierre Couronne aux éditions Cerf-Volant. Théo, je te laisse parler de ton livre. En fait, lapins. Ils font quoi les lapins? Les lapins, ils mangent la neige. Ils vont à la neige, ils font quoi la neige? La neige, un lapin. Ils font quoi la neige? La neige, ils disent à l'hiver. Que c'est l'hiver, oui, et ils font du ski. Du ski. Du ski. Et est-ce que cette histoire t'a plu, Théo, quand maman l'a lue? Non. Non, t'as pas aimé? Si. Ah. Et alors? En fait, non, il était tombé. Il est tombé et est-ce qu'il s'est fait beaucoup mal? Non. Non? Et ils ont aimé les lapins d'aller à la neige? Oui. Oui? Il est beaucoup retombé. Il est beaucoup retombé. Et toi, tu aimerais aller à la neige? Oui. Oui? Mais tu es déjà allé à la neige. Oui, oui. Quand tu étais petit. Donc voilà. Donc là, c'était les Lapinos. Lapinos. Au sport d'hiver. Le sport d'hiver. À présent, moi, j'ai lu L'étrange bibliothèque. Donc, l'histoire raconte que nous sommes au Japon et un jeune garçon qui adore lire cherche des livres à lire et voudrait avoir plus d'informations. Et un monsieur va lui dire qu'il faut qu'il aille dans l'arrière bibliothèque. Et là, il va l'emmener dans les fins fonds de la bibliothèque et va s'en suivre une aventure un petit peu folle. Je ne sais pas ce que Haruki Murakami a voulu nous dire dans cet ouvrage. Je n'ai pas trouvé la réponse. Donc si vous l'avez, je compte sur vous pour me le dire parce que ça reste un grand mystère. Parce que la première fois que j'ai lu du Haruki Murakami, j'ai eu beaucoup d'émotions, ça m'a parlé, j'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un message et cette fois, pas du tout. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu ce message. Ensuite, l'histoire est bien menée, mais quelque peu bizarre. J'ai trouvé l'histoire un peu bizarre, mais intéressante. Au niveau des illustrations, sont vraiment mais très très jolies. Et celle-ci, je crois que c'est une de mes préférées. Je sais pas si vous verrez, mais c'est une de mes préférées. Alors je sais pas exactement comment vous le décrire, comment vous décrire ce que j'ai ressenti lors de cette lecture, parce que elle m'a laissé perplexe, je me suis posé des questions. Donc je ne sais pas ce que a voulu dire l'auteur. Je pense que je suis passée à côté. Mais il est clair que je n'ai pas saisi le sens de l'histoire. Donc la lecture est très facile, c'est très aéré. Je n'ai vraiment rien à redire sur le contenu global du livre. Il est bon, mais je me répète, je n'ai pas compris le sens de l'histoire. Et donc je pense que l'histoire est basée sur l'imagination du lecteur et que c'est à nous de trouver le sens de l'histoire, de comment on pourrait le décrire. Et tu regardes la caméra. Ensuite, Théo va vous parler de Totam, des éditions Tourbillon de Xavier Desneux. Donc, qu'est-ce que raconte le livre, Théo? En fait, un joli lapin est caché avec un col de jeune. Enfin, on va voir ça dans les bébés. Et il apprend à aller où? Sur le pot. Le pot. Par là. Et ensuite? Ensuite, il va à la mer. Ensuite, il va. En voiture. Ah. Pourquoi les voitures?
Est-ce que tu as aimé ce livre, Théo? Oui. À toi, on a bien que ça. Ah bon, on a bien. Tu as aimé le livre? Oui. Est-ce que tu voudrais que maman le relise? Oui. Et t'as aidé à dormir? Oui. T'as fait de beaux rêves après? Oui. Maintenant, on va dire au revoir. Pas encore. Et ensuite, j'ai lu un livre d'Emmanuel. Un livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Les 10 enfants que Madame Mine n'a jamais eu. Des éditions Albin Michel. Donc le narrateur rencontre Madame Mine dans un lieu peu commun, donc les toilettes, puisqu'elle est Madame Pipi. Et il va faire tomber une photo. Et là, Madame Mine va lui demander si c'est ses enfants. Et lui va répondre oui. Et là, elle va lui dire qu'elle a 10 enfants. Sachant qu'en Chine, il est interdit d'avoir plus d'un enfant pour cause de la surpopulation, je crois. Et donc pour lui, il va se dire que Madame Ming n'est qu'une menteuse, mais va se surprendre à aimer à écouter ses récits, ses histoires sur ses enfants qu'elle s'est inventés. Le récit est un récit qui est quand même assez touchant entre ces deux personnes, parce que le narrateur et Madame Ming, quand ils ne sont pas ensemble, vont en quelque sorte se manquer, et lui va avoir envie d'aller la voir pour continuer d'écouter ses récits. Je trouve que le récit a un bon sens et une bonne morale, et donc cette femme va lui transmettre au fur et à mesure de l'histoire de l'amitié et lui décrire l'amour qu'elle porte à ses enfants. À travers cette femme, on va découvrir le bon et le mauvais, et on va comprendre qu'elle essaie de donner le message suivant, être une meilleure personne. Du moins, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Et le narrateur va vouloir être un homme bon pour pouvoir avancer dans la vie grâce au récit de Madame Ming. Je ne vais pas vous décrire le reste de l'histoire, parce que sinon ce serait carrément tout raconté, et c'est vraiment... Ce n'est pas le but de raconter ce qu'il se passe dans le livre, mais de vous donner mon ressenti. Et je vais simplement terminer par... j'ai apprécié la simplicité de ce roman. Ce book haul... ce point lecture est à présent terminé. Nous allons vous dire au revoir et vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Un bateau. Tu sais?